On est de retour pour une courte entrevue avec Dawei Ding, en fait, qui fait partie de la Fédération québécoise de sport électronique. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, peux-tu nous dire un petit peu qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis parle un petit peu de toi, là. Bon, fait que pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Dawei Ding. Il y en a peut-être plusieurs qui me connaissent sous le nom de Mr. Ding. Je suis présentement à l'école du barreau. Je travaille au cabinet d'avocats BCF, ici juste en face du Centre Bell. Je suis également le vice-président de la Fédération québécoise de sport électronique. Donc oui, je suis un très, très grand amateur du e-sports. D'ailleurs, je suis présentement en train de compléter une maîtrise en droit du travail qui porte sur le e-sports. Donc je m'intéresse également un peu à ce qui se passe derrière la scène avec le cadre législatif du e-sports, le droit des joueurs. La partie est moins glamour. Ça, ouais, c'est ça, mais qui est quand même très important. Oui. La Fédération travaille présentement sur plusieurs projets, dont l'exclusion en fait de certains, de tous les joueurs québécois dans certains tournois un petit peu partout dans le monde. Est-ce que tu pourrais nous dire en fait en quoi ton background légal t'a mené là, puis en fait t'es rendu où dans ce dossier-là? Oui, en fait, pour mettre le monde un peu dans le contexte, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en vertu de la loi québécoise, les organisateurs de concours publicitaires ont certaines obligations, dont l'obligation de payer une redevance à la régie des alcools, des courses et des jeux. Le problème avec ça, c'est que beaucoup de compagnies comme Blizzard, MLG, elles ne savent pas elles-mêmes si leurs tournois sont considérés comme des concours publicitaires au sens de la loi québécoise. Donc, par mesure de prudence, si on veut, elles choisissent simplement d'exclure les Québécois de leurs tournois. Comme ça, c'est réglé, on n'a pas à se poser la question. Bon, là, tu devines que ça crée une situation préoccupante parce que les joueurs québécois ne peuvent pas se rendre là où ils méritent, même si ils ont ce qu'il faut. Ouais. Fait que, c'est pour ça que ce soir, ben, j'ai l'immense plaisir de vous annoncer en stream que grâce à une collaboration entre la Fédération, l'Auto-Québec et évidemment la Régie, on a réussi à obtenir il y a quelques jours une lettre de la part de la Régie qui nous confirme que les concours d'e-sport, les tournois d'e-sport, au même titre que les compétitions sportives, ne sont pas des concours publicitaires. Et voilà. Donc, ça met fin à cette énorme saga. Oui. Et félicitations à vous. C'est une nouvelle extrêmement... On est très content. Le monde. En terminant, peux-tu juste nous dire rapidement la démarche? Qu'est-ce que tu fais maintenant? Comment c'est arrivé là? Puis c'est quand même fou comme nouvelle. Oui. Écoute, le dossier a duré, je pense, un an et demi, deux ans. Ouais. Ça a commencé chez Boreal eSports. D'ailleurs, big shout-out à mon ami François Savard, qui est aussi dans la fédération et qui m'a beaucoup aidé. Écoute, comme démarche, Étienne, beaucoup de recherches parce qu'il fallait distinguer les tournois d'e-sport et les concours publicitaires. Et nous, on a misé sur le fait que les tournois d'e-sport ne sont pas basés sur le hasard, mais bien sur les talents individuels. La stratégie, oui. Puis, deuxième étape, il fallait faire entendre nos arguments. Donc, on est allé cogner énormément de portes. On a parlé, à reparler à beaucoup d'organisations, de ligues et évidemment la régie. Donc, en terminant, j'espère que les joueurs québécois sont fiers de ce que la fédération a accompli. Hein? J'espère. Puis, écoute, Dawei, je te félicite. Et puis, on va se revoir très bientôt. Sur ça, on prend une pause d'une minute et on revient avec les casters qui se lancent dans le match de CSGO. Merci à toi, Étienne. Merci.